Hi guys, welcome back to my channel. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une autre story time. Et dans ce story time, je vais parler de ma copine Caroline. J'ai déjà fait mon story time là où je disais ma copine a essayé de voler mon fiancé. Je crois que c'est le titre, ouais. Et c'est de la même Caroline dont je vais parler parce qu'elle et moi, nous avons vraiment eu une longue amitié avant qu'on ne se sépare en fait parce qu'on n'est plus amis maintenant. On a une très longue amitié et on a beaucoup les bails ensemble. On a eu beaucoup de trucs qu'on a fait ensemble, on a rencontré ensemble, genre, on a un peu eu une longue relation qui nous a appris tous les deux, je crois, des leçons. Et aujourd'hui, elle n'est plus dans ma vie. Je crois qu'elle était juste dans ma vie pour une saison et sa saison est terminée. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes plus amis aujourd'hui et aussi à cause des trucs qu'elle a fait. Bref, vous connaissez déjà, si vous avez vu ma story time, là où elle essaie de voler mon fiancé. Donc, ouais, c'est ça. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, assurez-vous de vous abonner. Abonnez-vous. Assurez-vous aussi de lâcher les pouces en haut si vous aimez la vidéo. Commentez en bas si vous avez une amie comme Caroline, genre qui vous pousse toujours à faire des trucs que vous ne voulez pas faire, genre qui est vraiment genre toxique en fait, qui est une amie que vous n'avez vraiment pas besoin dans votre vie et qui est une chouin, quoi que ce soit. Si vous avez une amie comme ça, commentez en bas, faites-le moi savoir, on va causer parce que je ne dois pas être la seule dans ce genre d'amitié là, quoi. Donc, c'est ça. Et aussi, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, assurez-vous de me suivre sur mon Instagram, Twitter et Snapchat. Ce serait juste là en bas et aussi dans la barre d'infos en bas pour votre convenience. Et ouais, on peut commencer. Ma copine Caroline, comme je disais tantôt, avait un rencard avec un homme, genre un homme vraiment âgé, parce que elle, j'avais fait les trucs d'histoire de sugar baby, genre les gold digger là, genre ce genre de trucs là, c'est son délire là-bas. Mais bref, moi c'est pas le mien, mais je ne peux pas juger parce que nous ne sommes pas Dieu pour juger les autres, n'est-ce pas? Ok, mais j'ai eu un problème dès qu'elle m'a introduit dans cette affaire là sans mon consentement, vraiment. Bref, vous allez comprendre dans la vidéo. Ma copine Caroline avait un rencard et c'était à Diamantan, j'y vais à Diamantan et elle vivait à Pidgey, donc elle ne voulait pas faire cette conduite là toute seule dans la nuit parce que son rencard c'était à minuit. Pour moi, quand quelqu'un m'appelle à minuit, c'est pour donner, vous connaissez quoi, c'est pour donner. Donc quand elle m'a demandé si elle pouvait passer la nuit, j'ai dit ouais. J'étais tellement contente, mais elle m'a dit qu'elle avait un rencard. J'ai dit oh oui, on passe la nuit. D'ailleurs bien, il était peut-être 22h qu'elle arrivait comme ça. Elle arrive à 22h et puis j'étais tellement contente, on m'a fait comment faire un film et tout ça. Mais j'ai dit que non, j'ai d'abord, j'ai changé les histoires à te dire et tout ça. J'ai dit que vas-y, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit elle a un rencard. J'ai dit oh waouh, quand? Elle me dit ce soir. Elle dit à quelle heure, minuit? Elle dit ok, ok, je vais te donner mes clés, genre parce qu'elle était chez moi, je vais te donner mes clés. Quand tu rentres, tu ouvres la porte et tu entres. Elle me dit que non, je veux que tu viennes avec moi. J'ai dit oh my goodness. Elle me dit que oui, l'on va préparer pour elle, il va acheter la boisson, donc ça serait vraiment chic et tout et tout. Moi, j'avais peut-être 19 ans, ma copine là, elle était un an plus âgée que moi, donc elle avait 20 ans. J'ai dit, oh, ok, tu vois, quand on the age drink, il ne faut pas boire si vous n'êtes pas plus de 21 ans, parce qu'ici là, c'est 21 et plus aux États-Unis pour boire. Donc, assurez-vous d'avoir l'âge de boisson, parce que je ne supporte pas les gens qui boivent sans avoir l'âge légal pour boire. Donc, ouais, c'était moi avant, mais bref. C'était l'ancien Justin, donc je m'assure de vous dire, la jeunesse d'aujourd'hui, de ne pas faire ce que je faisais, ok? Ok. Donc, j'ai dit, oh non, j'étais fatiguée. Parce que je ne voulais pas lui dire non, c'est ma copine quand même. Je ne voulais pas dire non et être genre méchante. J'ai dit non, je suis fatiguée, je ne veux pas et tout et tout. Elle me dit, please, please, please. Elle m'a tellement poussée que j'ai finalement dit, ouais, ok. Elle me dit, ok. 23h30, comme ça arrive, on s'apprête. J'entre, je me lave parce que je me suis lavée dans la chambre de ma mère. Et elle se lavait dans ma douche, on s'apprête, j'ai seulement lancé un truc vite fait. Et puis, minuit arrivé, on quitte, on passe, c'était 10 minutes de ma maison en fait, c'était pas vraiment loin, pas du tout. On arrive sur le chemin de là-bas, elle me dit, son ami sera aussi là, genre l'ami de l'homme. Moi je dis, pour faire quoi, genre, what, for what, kind of, you know. J'étais vraiment un peu genre, hein, pourquoi. Elle me dit, oh non, il serait juste là, tu n'as qu'à jouer avec lui et tout, moi je dis, jouer comment, genre, tu sais que j'ai un copain et tout, elle me dit, ouais, c'est pas trompé en fait et tout, c'est juste pour ce soir. Donc, elle voulait me faire croire que ce que je faisais n'était pas mauvais et tout, je disais non et tout, aussi en route pour aller là-bas, j'écrivais aussi, je lui ai dit de m'envoyer l'adresse en fait, j'ai envoyé ça, je lui ai dit que si on nous recherche, c'est cela que nous sommes, parce que moi, vous voyez les trucs, genre, on a kidnappé les jeunes filles et tout,
Donc moi dans ma tête j'étais vraiment parano, j'avais vraiment peur. Alors, Jordan, il m'a dit que mais tu fais quoi la nuit comme ça, tu pars, fais quoi là-bas? Il dit, oh, je vais t'expliquer demain, c'est une longue histoire. Et tout, je vais t'expliquer, je te promets, et tout, et tout. Il m'a dit, ok, sans problème, juste be careful, fais attention, il faut être safe, et tout. J'ai dit, ok, merci. Il m'a dit, ok, on cause demain, parce que ça faisait tard, il était fatigué. Il m'a dit, ok, on cause demain. Alors, j'ai dit, que oui, je vais te tester, if anything. Il m'a dit, que yes, if anything, appelle-moi. S'il y a quelque chose, appelle-moi, je m'écris, je veux m'assurer que mon téléphone est à côté de moi toute cette nuit-ci pour que tu puisses me contacter facilement. J'ai dit, ok, d'accord. On arrive alors chez l'homme. Elle appelle l'homme, il vient nous chercher au garage. On a garé la voiture. Il vient nous chercher, il nous fait marcher jusqu'à l'entrée de chez lui. Il ouvre la porte, il dit asseyez-vous et tout. Mais d'abord que je regarde la maison, genre la maison était tellement sale. Elle a dit qu'il était avocat. Mais même quand tu es avocat, je comprends que tu as un peu trop les papiers et tout. Mais que ce soit partout, genre il y avait les papiers, genre partout. Genre, it was bad. C'était vraiment sale, je n'ai pas aimé. Il dit, asseyez-vous. Sinon, je m'assois sur le canapé. Elle est venue s'asseoir contre moi. Lui, il est passé s'asseoir sur le loft. C'est genre une chaise pour deux personnes, en fait. Il est passé s'asseoir là-bas. Puis, j'ai ma copine de venir joindre, de le joindre sur la chaise à deux places. Là, elle a dit, non, merci, c'est bon. Tout et tout. Il part, lui, il a pris dans la nourriture parce qu'il avait préparé. Il nous sait alors. C'était le poisson brisé. Donc, vous savez, j'allais manger poisson brisé avec les bâtons de manger. Il y avait le vin, le moscato. So good. So good. So good. On mange et tout et tout, on finit de manger, on tente de boire en causant et puis quelqu'un cogne à la porte. Cococ, il dit c'est qui? Dans ma tête, j'ai dit que tu sais qui c'est, ton ami venait donc. Avant que son ami dit que oui, c'est moi, ouvre la porte. Il ouvre la porte, son ami entre, il nous salue, nous donne les hugs, tu vois, et tout ça. Nous embrasse. Comment vous allez? Ça va? Il vient s'asseoir à côté de moi. So I'm like, ok, j'ai rien dans ma tête, I'm like, ok. Mais j'ai fait un moment comme ça, mais dans ma tête, j'ai dit, ok, like, pourquoi t'asseoir à côté de moi? En fait, quel est le projet? Frère, qu'est-ce qui se passe? Donc, il commence à me dire, c'est comment toi? Ça va et tout. Ma copine et le gars étaient maintenant assis sur le log, site de l'argent, le mini canapé à deux places, ils sont assis là-bas. Il cause après, il se lève, il part dans la chambre. En partant dans la chambre, ma copine dit qu'on va pas, on va pas mettre long. J'ai fait, on va pas mettre long, tu vois. Dans ma tête, je dis que ok, mais dans ma tête, je lui dis ok, mais dans ma tête, je dis que ok, like, what is going on here? Genre, vous m'avez laissé ici seule avec cet homme, pourquoi? Mais je lui ai juste dit ok, tu vois. Après, elle part dans la chambre avec le gars, ils font ce qu'ils ont à faire, ça ne me regarde pas. Et puis le gars, cependant, met sa main autour de mon cou. Genre autour de mon cou, il m'arrête comme ça. Je fais comme ça. J'enlève sa main. Il remet encore sa main. Il fait. Genre, don't touch me, tu vois. Genre, ne me touche pas. Et puis, il a insisté. Il m'a dit que, mais tu fais genre. En ce moment, j'avais la bague que je m'avais offerte. C'était ma promise ring. Ma bague de promesse qu'il m'avait offerte. J'avais ça. Il m'a dit que tu es fiancée, tu es mariée. Je dis non. C'est une bague de promesse, mais je suis dans une relation très sérieuse. Il m'a dit que ton gars, alors, est où? Il dit qu'il est à la maison. Maman qui me dit qu'il est allé sortir tard dans la nuit comme ça. Il dit que genre, c'était pas vraiment mon plan d'être ici. Je ne voulais pas être là. C'est juste que je suis venue accompagner ma copine comme elle est à la maison pour passer la nuit. Donc, c'était vraiment pas mon plan quoi, de venir ici. Maman qui dit que oh, ok. Après, quand même, il dit que oh, arrête d'être genre shy et tout ça parce que je faisais genre. Tu pourrais sentir que j'étais inconfortable. Il me dit. Oh, je crois que tu ne veux pas de l'argent, je crois que tu ne veux pas le cash parce que ta copine va gagner sa part de cash là-bas dans la chambre avec mon ami et j'ai amené aussi assez de cash pour toi, donc vas-y, lâche-toi, arrête de faire la timide. Il essaie encore de remettre sa main, genre, je fais comme ça l'argent, like, don't touch me, tu vois. Et puis, il forçait un peu trop, il voulait me parler, il m'a donné mon numéro, j'ai refusé. Et puis, à un certain niveau, ça devenait, je me sentais tellement genre, comme si quelqu'un was taking over, genre, quelqu'un, je me sentais un peu étouffée en fait. Avant que j'ai dit que, genre, arrête, genre, j'ai dit qu'arrête, tu es trop vieux pour moi, tu n'es pas mon genre, je t'ai dit que c'est un coup, pourquoi tu, genre, le vrai Justin qui parlait dans sa tête depuis l'est sorti, j'ai dit que, arrête, je suis pas, tu n'es pas mon genre, je suis en couple, je t'ai dit ça, je suis dans une relation sérieuse, et je te l'ai dit, je suis juste venue ici accompagner ma copine, pourquoi tu forces, genre, arrête de me forcer, tout et tout, je peux avoir l'âge de ta fille. Je crois que c'est ça qui l'a vraiment touché. Il s'est levé, il est parti sur maintenant sur la chaise, le petit canapé de deux personnes là. C'est assis là-bas. Et il y avait un film qui passait que genre, ma copine et son papa là, le père là, avait mis. Quand on voyait quoi. Donc tout le monde s'est commencé à voir la télé. Et puis je me sentais un peu mal. J'ai dit, j'ai pas voulu te faire du mal ou bien du mal te parler ou quoi que ce soit. Mais genre,
c'est pas mon truc en fait. Je suis juste venue ici pour l'accompagner. Donc, je suis désolée, mais moi, je ne fais pas ce genre de truc-là. Je suis en relation et tout. Il me dit que, ok, d'accord, il comprend, mais il veut toujours mon numéro. Donc, genre, dans ma tête, j'ai seulement dit que l'homme, s'il est fou, il est bête. Bref, j'ai seulement dit que non. Genre, non, tu n'aurais pas mon numéro. On a continué, chacun, on a tourné nos têtes vers la télé. Cependant, j'ai testé maintenant ma copine là. Je disais que, what are you doing? Il était là 1h30, elle était dans la chambre, ça faisait un bon bout de temps. Je disais que, what are you doing? Let's go, elle me dit que j'ai dit que moi je veux rentrer, elle me dit que tu vas rentrer comment? Pardon, j'ai dit, mais toi, elle me dit que, oh, exactement, that's what I thought like. Exactement, c'est moi, genre, tu as besoin de moi pour rentrer parce que tu n'as pas de voiture. C'est moi qui suis venu avec toi, donc c'est moi qui dois te ramener. Genre, c'est une manière de me dire, genre, ok, genre, exact, c'est ça qu'elle voulait dire par là. Avant que j'ai dit, I want to go home, genre, je veux rentrer, tout et tout, dépêche-toi, elle me dit que je ne dois pas la presser. Genre, ça arrivait au niveau que je la testais tellement. Je sens qu'elle était même là, fatiguée de moi. Je la testais tellement. Je testais juste, genre, hurry up, hurry up, hurry up, to the point là, je crois que, genre, elle a dit ok, genre, je crois que je l'ai tellement dérangée. Peut-être qu'elle voulait continuer leurs choses. Je continuais à y tester, tester, tester. Qu'elle a finalement dit ok, I'm coming, donne-moi quelques minutes. Elle a fait jusqu'à 10 minutes, oh. 10 minutes, like 10 minutes avant de finalement sortir. Qu'elle sort, elle dit que ready. Elle dit que yes, j'ai pris mon sac. J'ai pris mes chaussures, j'ai mes chaussures. Elle dit que yes, I'm ready. On se lève. Il dit ok, bye. Genre, je disais bye au gars là. Bye. Et puis il dit bye au père là. Quand il dit bye au gars, il me dit oh, est-ce qu'il peut avoir mon numéro? J'ai dit que non. Et tu ne vas jamais l'avoir. Donc arrête de demander. Et puis je regarde le père là. Il dit à la prochaine. Dans ma tête, je dis que see you never. Genre, à la prochaine à qui? Je dis que qui m'a dit à la prochaine? Je me suis tournée. J'ai seulement continué ma route. Et puis. Elle a fait la bise au gars, au père là. Et puis elle a encore embrassé son ami, la bise du père là. Et puis elle m'a suivi dans la voiture. J'étais tellement énervée. J'ai commencé à dire, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as essayé de faire là? Elle dit que, oh, je ne voulais rien faire. Genre, il fallait juste t'amuser. Tu allais rentrer avec de l'argent comme moi et tout ça. Je lui ai dit, c'est pas mon truc et tout. J'ai dit qu'en plus, tu parles d'argent. Tu parles même de combien? Elle me dit, oh, il devait donner 150. Il a donné 100 $ parce qu'il n'avait pas assez de liquide. Là, je dois passer le lendemain pour prendre le reste de 50 $ et tout et tout. Avant que je dise que oh, c'est pour 100 $, c'est pour 100 $ que tu te places, tu fais les choses. Parce qu'elle a commencé à me dire ce qu'il faisait dans la chambre. Je dis que c'est pour 100 $ que tu as fait tout ça. Elle me dit qu'il n'y a pas de pénétration. C'était juste sexuel, mais il n'y a pas de pénétration. Je dis que ça n'a rien à voir avec moi parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Je fais pas les choses comme ça. Bref, je ne veux plus que tu m'accompagnes. Genre, tu me demandes de t'accompagner dans les trucs comme ça. C'est pas mon truc. Et tu sais que je suis dans une relation très sérieuse. J'ai commencé à me fâcher. J'ai commencé à bavarder, bavarder dans la voiture. J'ai bavardé jusqu'à. Que pense encore le jour, c'est comme si c'est devenu un peu. Il dit non, non, c'est quoi ça? Tu fais quoi comme ça? J'étais tellement énervée, genre, le Justin de ma tête qui parlait beaucoup dans ma tête, là, est finalement sorti. J'ai dit, oh non, on ne fait pas ça, moi, je ne me prostitue pas, je ne vends pas mon corps. J'étais tellement énervée. J'ai dit qu'en plus de ça, je suis en relation. Elle me dit que je suis en relation aussi parce qu'elle avait un copain, elle avait un gars. Elle avait son gars. Tu vois, elle me dit que ça, j'ai commencé en relation très sérieuse, on ne fait pas des trucs comme ça et tout, tout, parce que je sais que si mon gars fait ça demain, ça va m'énerver. Donc, j'ai été tellement fâchée. Et en ce moment, j'ai testé, j'avais dit qu'on est en train de rentrer. Genre, et il m'a répondu, ok, d'accord. J'ai dit que, ah, tu fais quoi debout? Il m'a dit que non, il s'est assuré que je rentre d'abord avant de partir se coucher. I was like, oh. En tout cas, bref. Elle prend alors 50 $. Elle me donne. Elle me dit que, ok, prends 50 $ pour m'accompagner parce que tu n'as pas eu ta part aujourd'hui. J'ai dit que je n'ai pas ma part aujourd'hui et je ne vais jamais avoir ma part parce que je ne repartirai plus jamais là-bas. Elle me dit, mais demain, il m'a dit de passer. Elle dit que demain, tu passes seul. On ne passe pas ensemble. On n'est pas nés ensemble. Justin, chez Justin. Toi, c'est toi. On n'est pas les mêmes personnes. Bref, tu vas aller seul. Moi, je suis plus dedans. Elle m'a dit, ok, quand je serai en route pour rentrer chez moi, je vais m'arrêter là-bas. Elle dit, d'accord. Donc, elle rentrait donc, chez elle le lendemain. Elle s'est arrêtée là-bas. C'est parce que c'est passé là-bas. Bref, ce n'est pas mon problème. Je m'en foutais. J'étais vraiment énervée. Mais j'avais quand même mes 50 $ pour n'avoir rien fait. Mais bref, j'étais vraiment énervée qu'elle a voulu que je vende toutes les bonnes choses de mon bébé à un homme, un papa. C'était un papa qui pouvait être dans sa fin trentaine, début quarantaine. Genre, ew, no, that's nasty. Bref, c'est la fin de cette story time. Si vous avez aimé, lâchez les pouces en haut. Thumbs up, thumbs up. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et si vous êtes déjà abonné, assurez-vous seulement que votre cloche de notification est allumée pour que vous puissiez toujours recevoir les notifications dès que je poste une vidéo. Parce que si tu t'abonnes sans allumer la cloche de notification, tu vas seulement recevoir mes notifications de temps en temps, pas tout le temps. Bref, assieds-toi de le faire, mon bébé. Assieds-toi de le faire, ma chérie.
Et ouais, et aussi ne pas me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter, Snapchat, sont ici sur l'écran et aussi dans la barre d'infos pour votre convenance. Et aussi commente une fois de plus si tu as une copine qui est pushy, genre qui te pousse à faire des trucs que tu ne veux pas faire, qui est une chouin, qui est genre qui est sugar baby, qui est gold digger, qui aime l'argent, qui fait tout, qui peut tout faire pour de l'argent. Vas-y, raconte ton histoire dans les commentaires ou bien commente en bas. On va causer parce que je ne dois pas être la seule à vivre ce genre de délire là. Parce que cette fille Caroline m'a montré de toutes les couleurs. Genre, j'ai tout vu, j'ai tellement appris à marcher avec elle que c'est un truc de ouf quoi. Bref, je vous aime trop, 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 trop. G-Squad, like you guys are the best squad, ok? Vous êtes les meilleurs. I love you guys so much. Je vous aime très, très fort et merci pour le support. Merci pour l'amour. Et merci parce que je vois au fur et à mesure que je regarde mes vidéos, je vois que vous êtes vraiment en train de liker les vidéos, la plupart de vous. Mais spécialement mes vidéos en français, vous lâchez les pouces en haut et j'adore, j'adore, j'adore. Donc merci, merci et merci. Et aussi, si vous avez des vidéos request, genre les vidéos que vous aimeriez que je filme, assurez-vous de me le faire savoir aussi dans les commentaires. Je vais m'assurer de vous offrir d'autres vidéos autres des story time en français. Ok, bye!